Just wanna know what you know about me. When I die, I know I said it here. Need them tennis chains hanging at that cashmere. Always been a G, running crazy at my fear. Salut les gars, c'est Fanjo, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et je vous propose dans cette vidéo de redécouvrir le Hunter qui sera bientôt dispo dans GTA 5 Online. Je dis bien redécouvrir car comme je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos précédentes, mais je vous en reparle car j'ai quelques petites nouvelles infos qui devraient vous intéresser. Et dans ce gameplay, je vais volontairement laisser le son du jeu assez fort pour que vous puissiez mieux entendre, vraiment réaliser et vous faire une idée de la puissance de cet hélico. Et je vais directement commencer par vous rappeler le prix que vous coûtera le Hunter. Donc si vous avez fait l'émission pour l'avoir au prix réduit, il vous coûtera 3 100 000 dollars GTA. Et si vous ne les avez pas faites, vous devrez payer exactement 4 123 000 dollars GTA. Et c'est donc bien évidemment le prix non custom. Et si vous désirez voir les prix et la customisation plus en détail, je vous invite alors à aller voir dans mes vidéos précédentes. Et maintenant, passons aux toutes dernières infos concernant le Hunter. Et je rappelle au passage, et je me réfère aux quelques commentaires que je lis parfois sur certaines de mes vidéos, du style par exemple, oui mais tant que ce n'est pas Rockstar qui l'a annoncé, ce n'est pas officiel, donc c'est du fake et blablabla blablabla. Bah oui, ça c'est clair et ça coule de source que si c'est pas Rockstar qui l'annonce, que c'est pas officiel. Mais dans ce cas, ce sont des vidéos d'actualité qui vous parlent des nouveautés qui viennent de sortir par exemple, et des vidéos comme ça, je vous les propose aussi. Mais dans le genre de vidéo comme celle d'aujourd'hui, le but est justement d'aller chercher les infos avant qu'elles ne soient publiées officiellement, et il peut y avoir quelquefois des dates qui changent ou des choses qui ne se réalisent pas, etc. etc. Et ça pour différentes raisons. Mais c'est justement ce qui est amusant et qui m'intéresse. C'est par exemple de vous donner les prix des futurs véhicules à venir pour que vous puissiez par exemple économiser avant qu'ils ne sortent, ou de me baser sur des codes sources de Rockstar, ou de fouiner dans les forums de GTA V, d'analyser par exemple des publications et des interviews de Rockstar ou des comptes rendus de Take-Two, vraiment pour se projeter dans l'avenir de ce jeu, donc de GTA V. Enfin bon voilà, c'est dit et je ferme la parenthèse. Et donc revenons-en au Hunter, et je me suis d'ailleurs posé sur un building pour vous le montrer. Soit nous, mais ça c'est logique, mais surtout le copilote pourra utiliser la mitrailleuse, et surtout pourra la diriger assez facilement au niveau de la visée, et comme vous le voyez, la portée et la puissance de tir est assez top, et aussi une chose que beaucoup demandaient, c'est que l'Hunter soit plus solide par exemple que le Valkyrie et que le Savage, qui sont, c'est vrai, faut l'avouer, hein, pour des hélicoptères de guerre, ils sont vraiment très fragiles. Et donc si le Hunter devrait l'être un peu plus, donc un peu plus solide, ils ne mettront certainement pas un blindage exceptionnel. Sinon vous imaginez bien que ce serait un véhicule de guerre vraiment trop cheaté. Ouais, ce serait vraiment le gros bordel en online. Et faut avouer aussi que ce serait pas vraiment équitable pour ceux qui ne pourront pas se le payer directement, ou pas du tout. Et dans ce cas, il serait vraiment difficile à détruire. Mais apparemment, il devrait quand même résister à deux roquettes, plutôt qu'une seule, ce qui est déjà un petit plus. Et quant à la date de sortie du Hunter, et je précise que c'est une supposition, car comme vous l'avez remarqué, Rockstar aime à changer leur planification ces derniers temps, mais ça devrait être après la sortie de la voiture Cold Cyclone, donc la voiture électrique, et donc il ne sortirait pas ce mardi, mais dans deux semaines, donc le mardi d'après. Et bien voilà les gars, j'espère que cette vidéo et que ces infos vous ont plu. Merci de l'indiquer par un petit pouce en l'air si c'est le cas, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous désirez être au courant au niveau des futures infos, des nouvelles actualités et mises à jour, etc. etc. de GTA V, je vous propose alors de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et pourquoi pas activer la petite cloche, merci d'avance. C'était Fanjo qui vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Bow to the king. Bow to the king.